Alors nous revoilà ici dans cette troisième partie pour la suite de mon aventure. Donc pour l'instant, on a fait toutes les maisons sont faites avec de quoi manger pour tout le monde. On a fait le village du workshop. Ah, donc on a le Blacksmith House maintenant. Bon, c'est une maison un peu... C'est pour pour le forgeron, mais... Comme on peut le dire, c'est pas forcément utile pour lui, mais hop, on va lui mettre quand même une maison plus grande que les autres, plus évoluée. Hop, on va le mettre ici. Par contre, il y a beaucoup plus de choses à faire, évidemment, comme vous pouvez voir. Hop là, donc il manquera des ressources comme je vois. Il manquera quelles ressources, je sais pas. Ah, il manquera ce. Bon, on verra. Il me dira ce qu'il me manquera, mais pour l'instant, je sais pas du tout. Alors lui, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui manquent? Alors lui. Ouais, lui il l'a pas fait ça. Non, ni herbaliste, bon, c'est pas grave parce que. Ça sera fait tôt ou tard. La nourriture, c'est pas loin. Mais vous voyez, moi je suis à 3000 sur 100. Sur 1000. 1100, c'est pas. Je suis loin en avance, donc bon. Quand j'aurai de la nourriture, ce sera mieux. C'est quoi ça? Donc là, pour l'instant, nourriture, c'est pas trop ça. On n'est pas nombreux, hein, de ouf, donc ça va. Mais il faudra que. Je vais quand même le mettre lui en mode. En mode fermier parce que il faut que ça avance, faut que ça avance. Après je changerai de métier, c'est pas un souci, mais pour l'instant faut que ça avance. Donc là il manque un truc, je sais pas ce qui manque. Le bois, non, je pense pas. Alors qu'est-ce qui manque? La pierre, je pense pas non plus. Ils me disent pas ce qui manque. Donc ça va m'aider. Peut-être on verra, puisque je sais pas ce qui manque. Ça me pose toujours problème cette maison-là. Donc on verra bien ce que ça peut occasionner. Donc là on a un sol qui fait des. Alors, comme vous pouvez le voir ici, ils ont arrêté de couper. Il fait plus son coucou, j'ai remarqué. Là, il va couper par contre, lui. Un peu bizarre comme histoire. Là, il coupe pas, mais là, il coupe. Bon. Lui, il est tombé bêtement, c'est pas grave. Lui, il est triste. Vous voyez, quand ils sont tristes, ils sont un peu comme ça, nonchalant. Donc voilà, on va essayer de leur mettre de quoi égayer leur journée. C'est un peu bête, mais... On va fermer tout ça dans un coffre, ça sera mieux. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est ça, c'est qu'il. Donc là, on va enlever les seuls, on va en mettre d'autres. Des fois, c'est dur à comprendre hein, comment il joue ce jeu. C'est un peu complexe des fois. Hein. Pas vous dire tout, toute la simplicité de ce jeu, mais non. C'est jamais très simple. Je pense qu'ils vont se mettre au-dessus, ils vont couper. Et ils vont. Pour l'instant, ils dorment, je crois. Non, ils dorment tous. Lui, par contre, il dort pas. Il va chasser de la ressource. Voilà, s'ils avaient besoin, ils avaient besoin de monter. Je sais pas pourquoi, mais c'est un peu bête. Ils avaient besoin de monter pour pouvoir ouvrir les murs. Bon, donc voilà, les ressources arrivent. Au moins, ils ont plus moins de travail, plus d'électricité. Ah, là, il n'y a plus le problème en question. Ah, la nourriture, c'est encore un problème. Il faut vraiment que je fasse les coffres, parce que la nourriture, après, c'est périm, donc après, ça compte plus en fait.
C'est qui est un peu bête. Ça c'est quoi? Wooden 1, c'est ça. Je l'ai pas encore posé, donc là je vais le poser. Hop. Je me trompe des fois de touche, hein, vous inquiétez pas, ça arrive. Hop là, on va mettre ça là. Voilà, ça c'est fait. Donc là, ils vont commencer à finir le mur. Comme vous pouvez le voir, ils finissent ici. Ils font une mission par une mission en fait en général. Donc faut pas trop leur donner une mission en même temps. Si vous mettez une maison plus machin plus un truc plus un autre, là ils sont perdus. Il faut pas leur mettre trop. Là je leur ai donné la mission de faire ça plus de faire de la de couper l'étage plus faire la maison. Ils ont un peu bugué. Donc voilà. Hop là. Il reste encore là-bas, mais il faut que je fasse une échelle en fait. Si je suis pas d'échelle, ils vont pas aller là-bas. C'est un peu bête, hein, mais. D'accord, super. Il a rien coupé, d'accord. Bon, c'est pas grave. C'est point grave, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Remove, hop, j'enlève tout. Toutes les échelles, je vais les enlever. Et je vais mettre les coffres ici. Voilà, les 15 coffres que je vais mettre ici. 1, 2. Bien les coller évidemment hein, pour les gagner le maximum de place. Parce que même si j'ai beaucoup un grand mur là, je préfère ne pas perdre de place. Ça peut toujours être utile hein, la place. Comme vous le savez, hop, sur un inconnu ça peut marcher. Donc après n'oubliez pas, hein, le coffre, là il n'est pas open, il est pour l'instant il n'est pas attribué. Vous voyez, il donne. Donc faut pas oublier, choisir ce que vous voulez qui est dedans, soit de la nourriture, soit des ressources, soit de la construction. Moi je m'en fous, je veux un peu de tout, parce que je veux juste libérer de la place de l'extérieur. Tout simplement, hop. Et après, je vais tout enlever ce qu'il y a. 2. Ok. C'est fait. C'est point fait. Pour moi, je crois qu'il faut les faire un par un, hein, je pense. Parce que j'ai pas encore appris à faire toutes les sélections en même temps. Hop, ressources ici. Mais pourquoi il a mis un coffre ici? On va l'enlever tout à l'heure. Hop, hop. Donc lui c'est bon, lui c'est good. Lui c'est good, lui c'est good, ici c'est good. Donc comme ça fait quand même pas mal de place en plus. Et là je vais pouvoir enlever. Comment on enlève déjà, je sais même plus. Voilà, comme ça, hop. Donc j'enlève, hop, et je vais le placer autre part. Le recycle down autre part. Voilà, paf. Là, toutes les ressources vont être dedans, paf, comme ça. Ça évite que mes ressources soient à l'air, hop, j'enlève tout ça. Donc ça, toutes mes ressources vont toutes les transférer dans les coffres, ça va être largement mieux. Plus simple et plus propre, plus beau. Donc voilà, hop, je vais mettre. Non, je vais pas contre ça. Donc pour la maison, là, comme j'ai pas mal de. Ah, voilà. Donc il arrive d'où le petit? Ah, bah il est déjà, c'est parfait, c'est lui. Pour une fois, il arrive à l'intérieur, c'est bien. Alors lui, il est quoi? Passionné par l'ingénierie. Ouais, l'ingénierie, c'est loin, l'ingénierie. Ton métier est loin, petit. Donc je vais te mettre un autre métier, mon enfant. Par contre, il est très intelligent. Même le chasseur est très intelligent aussi. Donc lui, je vais mettre un autre métier, mais j'en ai pas la possibilité. Dommage. donc voilà, le fermier, ils ont fait à la ferme. Peut-être parce que tout est ici en fait. Peut-être pour ça. Parce que ça c'est quoi? C'est cooker. Donc pour faire de la cuisine. Donc là il est dans la peau de. Ouais, je suis envahi. Même par ici hein, je suis envahi. Un peu bête même. Les
bien, hop. On va tous vous mettre là. Il est où, combattant? C'est pas grave, hein. Le combattant, je sais pas où il est passé. D'accord. Non, je sais pas du tout où il est passé, combattant. Il dormait ou quoi? C'est où il est? Ah, il est là. D'accord. Il a mis son marteau. Mais je crois qu'il a dû les combattre déjà. Mais ils étaient tellement nombreux que voilà. Donc là, Mr. Engineering. Je vais vous mettre en quel métier? Bon, ils sont pas encore mis. Bon, tant pis, c'est pas grave. Non, j'en veux pas, désolé, Mr. Marshall. Mr. Marshall. Donc là, ils vont tout mettre là-bas de l'autre côté. Je vais regarder si je me suis pas. Si j'ai rien oublié. Alors là. On va en faire plein. Là, on n'en a pas beaucoup, donc on va pas en faire. Ok. Ça, je peux pas en faire puisque j'en ai plus. Et puis voilà. Donc le maçon, qu'est-ce qu'il peut me faire lui? Knight, bon, je peux pas en faire 10 millions des trappeurs. Black Mister, il a monté de niveau, ça c'est pas mauvais ça. Ça c'est bon à entendre. Donc qu'est-ce qu'il peut faire en plus? Il peut faire ça. Ouais, il peut en faire. Je peux en faire que deux. Donc. Ouais, que deux. Hop, ici, là je peux pas en faire. Ça je peux en faire. Mais c'est pour les... Comment ça s'appelle? Les clairs. Donc j'en ai un bientôt. Hein. Donc vous voyez, c'est ce coffre là qui fait 256. C'est vraiment intéressant. Par contre, les ressources, c'est pas les mêmes, hein, évidemment. Je vais faire le date update. C'est pas assez en train de lecture, c'est dommage. J'en ai ramené. Donc là, tous les coffres sont ici. Donc tout est ici, c'est bon. Normalement, je devrais pouvoir mettre un métier en plus pour. Ouais. Bon, je vais le mettre en herbaliste. Il aime bien. Il aime bien ce qui est. Parce que c'est qui herbaliste? Lui, il voulait. Ah, lui, il voulait être clair. Voilà, c'est ça. C'est lui. Parce qu'après, c'est clair. Cléric. Donc, lui, je vais le faire changer de métier. En fait, je vais l'enlever de son métier. Hop. Changer de métier. Tu vas revenir en mode comme ça. Voilà. Désolé mon petit, désolé, il y a quelqu'un qui est déjà sur ce poste, désolé. Hop là, voilà, vous serez promu. Vous serez promu au nom de Herbaliste. Alors, Herbaliste, je crois que tu as un petit desk, voilà, tu vas te poser tranquillou. Hein. Et après, tu pourras nous faire des potions, des bandages, tout ce qu'il me faut, et même des choses pour être cléric, mon enfant. Alors, hop, ça c'est fait. Donc là, c'est bon, il est juste à poser. Oui. Voilà, il est wish you a merry Christmas. Alors, pof, on pose ça, tranquillou, c'est fini, c'est filou. Hop là. Donc là, c'est bon, voilà. Quoi à manger, hein. Tous faim. On dit, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Je sais même pas. J'ai même pas regardé s'il y a des sièges pour tout le monde. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Alors, les deux nouveaux. Best friend Montis. Je sais pas qui c'est Montis, mais meilleur ami de je sais pas qui. C'est qui Montis? Ah, c'est lui. D'accord. Mais il a un animal de compagnie. Là. Ce compagnie. Alors qu'est-ce qu'il manque là? Il manque ça. Il manque de la pierre aussi. J'ai pas coupé, j'ai une pierre. Bon. On va faire partie de la pierre d'enfant. Et quand je crape de la pierre, j'ai demandé. Oula! Je l'avais pas vu lui. Bon, c'est ce qu'il a lui. Il sort de nulle part lui. Combattant, veuillez vous montrer. Voilà, distrait lui. Ça va, il est pas mauvais, mais.
des fois un peu peur, le mec. Voilà. Merci. Magnifique, magnifique, une nouvelle personne. Et voilà. Une nouvelle personne, elle s'appelle la, je sais pas comment c'est. La BAM. Elle va faire quoi comme métier? La BAM, enfin, avec bouton. Super, super. Bon, on va lui mettre comme métier. Bon, toi, déjà, tu vas nous faire des potions toniques. Alors, charpentier, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Le charpentier, le charpentier, qu'est-ce que tu veux nous faire? Le charpentier. Bon, alors, toi, non, c'est pas lui, c'est pas ça du tout. Normalement, hop, j'ai un médaille. Ah, bah voilà, magnifique, c'est ça que t'as demandé tout à l'heure. Voilà, toi, t'as un métier aussi, c'est ça. Métier de couture. Couture, il faut faire la métier de couture. Faut couper la forêt. Non, je déconne. Désolé, je m'emballe un peu. Désolé. Non, j'en fais un peu trop là. Oulala, enfant, il fait trop là. Trop, mon enfant. Enlevez-moi ça, s'il vous plaît. J'en ai besoin d'un pas 10. Donc voilà, hop. Ça va être fait. Donc là, il faut juste que je les pose tranquillou, tranquillement. Un. Normalement, il y en a un troisième, mais je sais plus. Ils n'ont pas encore fait. Donc tout sera ici, il sera pas mal. Vous allez voir, c'est joli, c'est beau, c'est fly. Donc voilà, normalement il manque celui-là. Ouais, il n'est pas encore construit. Ok. Il me faut ça là. Boodle et Fibar. Donc c'est. Je suis un peu loin, hein, je suis parti même très très loin. Alors. Boodle et Fibar, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Non plus. Ah, j'ai fait deux fois la même chose. C'est pas grave. Non, ça doit être cela, je crois. Je suis pas sûr. Ah merde, j'ai remis tout. C'est pas grave. Je sais plus c'est lesquels. Ah bah dis-toi, c'est ça. Celui-là c'est les roses, et celui-là c'est les bleus. Et là c'est les bleus aussi, les roses. Ok. Il faut les roses et les bleus. Ah, j'ai mis deux roses, j'aurais dû mettre du bleu plutôt. Pas du rose. Désolé, je me suis trompé. Date of date, voilà, magnifique. Donc voilà, là, ça commence à arriver. Il commence à y avoir du monde. Hop, elle est où? Ah, elle est loin, évidemment. Comme par hasard, elle arrive dans un endroit un peu plat de queue. Je n'ai pas demandé. Hop, s'il vous plaît, faites-moi le mur. Allez. Il y a quelqu'un qui va me faire le mur. Et après, il va me le. L'échelle, et après il va me détruire ça puisque je ne veux pas d'ennemis qui viennent m'attaquer. S'ils viennent m'attaquer, ça va pas le faire. Donc voilà, déjà 11 personnes. Déjà, nous avons bien avancé. Hein, déjà 11 personnes, c'est déjà pas mal. Donc lui, il aime bien tout ce qu'il tape. Alors, quel métier je pourrais lui mettre? Je vais quand même mettre plusieurs Black Mushroom. Je peux pas. Alors Mason, je vais quand même faire de quoi doubler les métiers. Voilà, doubler les métiers c'est toujours mieux pour pouvoir avancer, hein, puisque sinon on n'avance pas. Donc ça c'est déjà fait, tac, ok. Là il peut faire quoi ici? Lui hop. Herbaliste.
Voilà. Ça au moins ça avance. C'est une évidence, le marchand il arrive. Je vais prendre ça. Pam 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 pam. Est-ce que j'ai d'autres métiers pour lui? Lui par contre il est très intelligent, donc il faut que je trouve un métier intelligent. Je sais pas ce que je vais choisir, soit maçon. Charpentier, je peux pas encore faire. Je crois que je vais faire. Telle est la question. Claire, c'est pour les moutons après. Peut-être le faire charpentier, mais je peux pas pour l'instant. Je vais le faire Blacksmith. 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 Je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Je suis pas très bon en anglais, hein. Vous pouvez le voir. Workbench, Blacksmith, je sais pas comment ça s'appelle. Blacksmith. Bref, boum 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 boum, la tête dans la tête. Donc hop, ça j'avais oublié. Hop, voilà, je l'ai fait. Je l'ai mis, proprement, doucement. Donc lui, il a toujours un problème avec quelque chose, mais je sais pas quelle ressource, je vais regarder. Donc lui, ça doit être de la pierre, je pense que c'est de la pierre. Je suis sûr que c'est de la pierre, quelque chose comme de la pierre. je vous dis ça, mais c'est même pas sûr. Allez hop, hop. Est-ce que j'ai fait quoi? Voilà. Je me dis bien que j'ai fait quelque chose. Hop, faut faire une échelle ici. Mettez-moi une échelle ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, pas assez de nourriture. Tout le monde est en train de venir, je sais pas où. Pour manger, c'est l'heure de manger, les enfants. On va peut-être refaire une maison pour manger. Puisque là, ils ont l'air d'avoir encore faim. Je sais pas si je suis pas en perpendiculaire parallèle ou quoi. Hop, ici, tac, 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 tac. C'est bon normalement pour moi. Pour moi c'est bon. Tac. Voilà, on se met. J'essaie de faire les trucs un peu droit en face. En face l'un de l'autre, ça fait joli. Moi j'aime bien. J'avais comme une petite allée là. Donc voilà, ici j'ai fait un endroit pour dormir. C'est parfait. Ouais, j'ai pas mal de place hein, quand même, comme vous pouvez le voir. J'ai pas mal de place et c'est assez grand. Donc voilà. Je crois qu'on va se quitter là-dessus. Je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Je pense que on a fait un petit temps ensemble. Et je pense qu'on va arrêter la vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Qu'on sera bien amusé. Que vous aurez appris. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Notez si vous voulez la vidéo. Je pense que maintenant je vais vous poser la question à chaque début de vidéo de noter ma vidéo, voilà, de sur 1 sur 10, de 1 à 10, voilà votre ressenti, ce que vous en pensez et quels points ils sont possiblement améliorés. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, à la prochaine.